Bon, bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour la carte du jour de ce mercredi 10 juillet 2019, toujours dans l'oracle s'autoriser à être soi. Vous voyez que mon paquet diminue parce que, eh bien, ça fait quelques semaines que nous prenons connaissance de cet oracle, et comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, je ne remets pas la carte dans le paquet parce que je veux vraiment qu'on voit toutes les cartes de ce magnifique oracle s'autoriser à être soi. Alors, en suivant les sept axes du développement personnel qui est relatif au chakra, n'est-ce pas? Tels que par exemple la confiance en soi ou l'expression de soi. Eh bien, cet oracle vous aidera peut-être à vous recentrer sur vous-même en vous éclairant sur votre univers intérieur. Et s'autoriser à être soi, eh bien, c'est accepter sa part obscure pour avancer vers la lumière, parce que nous avons toutes et tous des parts d'ombre en nous, hein. Alors, chaque carte correspond à une couleur d'un chakra, n'est-ce pas? Hop, et bien voilà, on n'ira pas plus loin, puisque carte qui saute, c'est qu'elle veut vraiment qu'on découvre. Et oula, avec la bougie, voilà, c'est très chaud avec la bougie. Et nous sommes dans l'orange. Voilà, nous sommes dans l'orange. Alors, c'est sois expressif de toi. Sois expressif de toi. Ça vous parle peut-être? C'est le deuxième chakra, n'est-ce pas? C'est la confiance en soi. Alors, ce chakra se situe au niveau du nombril. Le voici. Donc, c'est le deuxième. Et son élément de ce chakra est l'eau. De cette couleur, et son sens développé est le goût. Et ce chakra est le centre de vos émotions et de vos pulsions et parle de votre rapport à autrui. Donc, je pense que nous avons eu aussi cette couleur, ce chakra hier. Alors, un deuxième chakra qui est harmonieux. Il indique une bonne gestion des émotions et une vitalité saine, mais aussi et surtout un niveau de confiance personnelle stable qui fait accéder à un rapport harmonieux avec les autres et à la faculté à prendre du plaisir. Et lorsque ce chakra est harmonieux, eh bien, vous vous adaptez à cette mouvance, hein, de la vie avec spontanéité et beaucoup de joie. Et lorsque ce deuxième chakra est déséquilibré, il manifeste une notion de culpabilité, accentuée du fait de ne pas vous sentir à la hauteur. Vous ne respectez pas le sacré en vous, c'est-à-dire vos valeurs, vos convictions, vos envies, vos désirs, et vous êtes hyper émotif. Alors, de cela naît une attitude tendue envers les autres, avec les rapports de force peut-être inévitables. Vous vous placez soit au-dessus ou soit en dessous de l'autre. Et il faudrait équilibrer ça. Alors, oui, bien sûr qu'il y a une solution. Tout problème, il y a une solution. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, je dis toujours alors que le problème est dans notre tête. Prendre conscience de votre valeur intérieure infinie en comprenant que vous êtes l'égal
des autres. Ça, c'est la solution. En veillant bien à ne pas nourrir votre ego outre mesure. Vous savez, l'ego, il est là. On doit faire avec. Mais l'ego, nous devons... je dis toujours qu'on doit avoir le pouvoir sur l'ego, mais... Voilà, c'est pas dans le contexte d'avoir le pouvoir sur quelque chose. C'est que si l'ego a le dessus sur vous, mais vous êtes dans... vous êtes, je cherche mon mot, vous êtes dans quelque chose qui n'est pas correct. Hein? Ce n'est pas correct, ce n'est pas juste, il y a de l'injustice, il y a de l'incorrect, ce n'est pas pur, ce n'est pas profond. Donc, moi je dis toujours qu'il faut essayer d'équilibrer cet ego, parce qu'il est là, il faut faire avec, il faut travailler avec, mais à partir du moment où on l'équilibre, eh bien je pense qu'on n'a pas de soucis. On a des soucis quand il prime ou quand on veut avoir le dessus sur l'ego. Sois expressif de toi. Sois expressif de toi. Comment espérer être deviné et compris si vous êtes incapable d'exprimer? Alors, pas que par les mots, hein, mais peut-être par le monde intérieur qui vous habite. Alors, toutes ces nombreuses émotions de frustration et de mal-être, eh bien, c'est des messages, ce sont des messages de votre âme, lorsque cette dernière souhaite vous signifier que vous êtes à côté de vous-même. Alors, vous autorisez à les exprimer, eh bien, c'est d'abord les identifier pour ensuite les libérer. Il faut que vous soyez expressif vis-à-vis de vous. Alors, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ça s'imprime un jour, et c'est votre corps qui risque de vous le rappeler. Et tout ça parce que vous avez préféré un temps étouffer tout ça. Vous savez que votre corps est votre véhicule. La terre vous a prêté un corps. Et ce qu'il y a dans ce corps, eh bien, si vous étouffez vos émotions, si vous étouffez l'expression de ce que vous voudriez dire, vous allez le... On va vous montrer, votre corps va vous montrer qu'il y a des choses à rectifier parce que vous allez tomber malade, parce que vous allez ici. Votre corps est le reflet de votre mental, de votre intérieur. Alors votre corps est bien portant lorsque votre mental est bien, votre âme est bien. Et si vous avez préféré étouffer des choses jusqu'à maintenant, eh bien votre corps va le signaler. Il va vous le signaler. Chaque partie du corps correspond à une émotion, à chaque organe correspond à un état d'âme. Alors, affirmez-vous en vous donnant le droit d'être qui vous êtes. Vous savez, être expressif de soi peut passer par la créativité.
Et ça, c'est véritable mode, c'est une mode d'expression personnelle qui peut être, autorisez-vous à pleurer? Autorisez-vous? Autorisez-vous à parler? Autorisez-vous à, je sais pas, à faire du sport? Autorisez-vous à tout, pourvu que vous exprimez tout ce qui est en vous et qui est prisonnier de vos peurs. Exprimez tout cela. C'est s'alléger. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Waouh, c'est un grand, grand message encore, hein. Ça parle. Ça parle. Vous voyez, quand on ne dit pas les choses, quand on tient tout pour soi. Vous savez, c'est comme vous avez une armoire, vous avez un tiroir et vous mettez tout dans le tiroir et vous fermez ce tiroir. Et puis quoi? Vous êtes triste, malheureux, mais ça vous chagrine, ça vous rumine. Vous étouffez tout ça, mais l'étouffement, c'est vous étouffer vous-même. Vous étouffez toute expression, c'est vous étouffer vous-même. Donc, à partir d'aujourd'hui, on s'autorise à être soi. Très beau message encore une fois. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Merci à tous les abonnés. Et merci à ceux qui ne sont pas abonnés. Et c'est l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente journée dans la joie, l'amour, la bienveillance. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À demain.